D'abord, la place qui a été créée à Montpellier n'existe pas sous le titre « la place des grands hommes ». C'est le véritable nom, c'est la place du XXe siècle. Parce que Georges Frêche était historien et il a voulu rassembler tous ceux qui ont fait, toutes ceux et toutes celles qui ont fait l'histoire du XXIe siècle. Et Mao Tse-tung est l'un de ceux qui ont fabriqué cette histoire-là. D'ailleurs, c'est grâce à Georges Frêche que j'ai lu le petit livre rouge. C'est grâce à Georges Frêche que je me suis inspiré de certaines phrases du président Mao. Parce que dans le petit livre rouge, il y a beaucoup de choses très intéressantes qu'on retrouve aussi dans d'autres ouvrages de l'humanité. Oui, il existe un lien très intime entre la Chine et la France au travers de la ville de Montpellier, par sa ville jumelle de Chengdu, dans la province du Sichuan, qui permet toute une série d'échanges, que ce soit des échanges économiques ou des échanges universitaires, mais aussi des échanges culturels, puisque les deux villes sont en relation depuis de nombreuses années. C'est l'un des jumelages les plus anciens de la ville de Montpellier. Je vais faire en sorte que Montpellier se développe. Et au travers des instances qui garantissent le développement économique dans l'agglomération de Montpellier, au travers des jumelages que la ville soutient, je ferai en sorte qu'un maximum de relations soient établies avec les pays étrangers avec lesquels nous avons des relations d'amitié depuis fort longtemps. La priorité que je vais donner, c'est d'abord aux villes de la Méditerranée, parce que nous avons des enjeux sociologiques très importants et économiques à régler avec la Méditerranée. Mais en même temps, on continuera à avoir nos deux grandes villes jumelles plus loin sur la planète, celle qui se trouve à Louisville aux États-Unis et Chengdu en Chine. C'est une ville formidable dans laquelle le climat est merveilleux, à 5 km de la mer, à 15 km d'une campagne merveilleuse, et dans laquelle on peut avoir le calme, la sérénité, avec des universités de haut niveau, des centres de recherche. Je crois que Montpellier, en devenir, est une grande puissance des villes françaises, et nous comptons largement sur les autres peuples pour nous aider à la développer. Parce que lorsque je regarde les entreprises de Montpellier, beaucoup travaillent avec la Chine. C'est vrai avec la province du Sichuan, mais pas qu'avec la province du Sichuan, pas qu'avec notre ville de Chengdu. Notamment dans le médical, le paramédical et l'innovation liée aux sciences de l'environnement. Donc nous avons tout à gagner à entretenir ces relations, à les nourrir et à les soutenir pour permettre la possibilité, que ce soit pour Montpellier ou pour sa ville jumelle de Chengdu, de valoriser tout ce qu'elle a déjà fait en termes d'échanges, échanges universitaires, échanges économiques, échanges au niveau de l'art, puisqu'à Montpellier, nous avons reçu la Biennale de l'art contemporain chinois il y a quelques années. Mais nous sommes en sympathie avec la Chine et notre jumelage le prouve à tous les instants. Je connais effectivement cet enseignement-là et je trouve qu'il est tout à fait probant. Ce n'est pas le seul en termes d'enseignement. La médecine chinoise a été enseignée pendant plusieurs années à l'Université de médecine de Montpellier. Aujourd'hui, je crois que les cours se sont un peu arrêtés, mais pas complètement. Mais il y a aussi le tai chi qui est enseigné de façon régulière et bien sûr tous les arts martiaux. Mais la Chine a tellement inventé de choses que pour enseigner toutes les disciplines que la Chine a inventées, il faudrait reconstruire une civilisation tout entière, tellement les disciplines sont diverses. Et la connaissance que le peuple chinois en a est profonde. Montpellier a beaucoup d'atouts pour permettre aux étudiants aux amitiés sino-françaises de se développer. Je crois qu'il faut que,
Il faut continuer à soutenir toutes les initiatives qui proposent aux uns et aux autres de se rencontrer et d'échanger. Pour moi, la Chine, c'est... Si je pense aux images qui me viennent en premier dans ma tête, bien sûr, c'est la muraille, la grande muraille. Bien sûr, c'est l'armée de soldats en terre cuite. Bien sûr, c'est la carapace de tortue dans laquelle dormaient les empereurs de Chine quand, dans les premiers jours de leur vie. Bien sûr, c'est le raffinement d'une ancienne civilisation. Mais c'est aussi tout le potentiel extraordinaire de création et d'innovation lié aux nouvelles technologies, à l'information, à la communication, à l'art. Et les Chinois ont inventé les feux d'artifice, la poudre. Ils en ont fait des feux d'artifice. Nous, la poudre, on en a fait de la poudre à fusil. C'est l'écart qui sépare les civilisations. Et voilà, je pense que la Chine aujourd'hui, pour l'Europe, est une puissance qui peut apporter beaucoup de plus-value en termes d'échanges économiques et en termes de potentiel. Donc, moi, je suis favorable au soutien de tout ce qui nous lie avec la Chine, au travers de notre ville jumelle, mais aussi au travers de toutes les initiatives que le gouvernement peut prendre, puisque dernièrement, la visite présidentielle s'est parfaitement bien passée, au dire de l'ambassadeur que j'ai reçu hier à la mairie de Montpellier. Donc toutes ces initiatives sont fondamentales pour notre vieux pays qu'est la France, mais bien moins ancien et vieux que la Chine, qui porte les couleurs de l'Orient de façon magistrale. Voilà.